Bien, nous reprenons. Alors là, nous allons entendre Véronique Borbourac. Alors, je la remercie beaucoup parce que c'est une femme très occupée. Vous avez pu le voir dans son petit résumé de CV. Hein, j'ai indiqué deux ou trois choses qu'elle fait entre le théâtre, la scénographie, les costumes, l'enseignement, la rédaction d'une thèse qui l'occupe beaucoup. Et en même temps, elle est très demandée puisqu'elle a des compétences tout à fait particulières. Alors, elle a accepté très généreusement de sacrifier une partie de son temps pour venir nous parler de ce qui, dans notre contexte nous intéresse énormément et que nous avons croisé dans le séminaire, nous avons croisé la question du vêtement en particulier, mais nous n'en sommes pas des spécialistes alors que c'est son cas. Donc elle va nous enseigner là des choses, je crois, très importantes. Donc Véronique, je te laisse la parole. Merci Michel, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est quand même un honneur de participer à ce genre de journée d'études. Je m'y attendais pas. Michel, pour m'amadouer, m'avait dit, tu sais, on peut faire ça à informel, pas besoin de préparer tant que ça, mais c'est toujours la même chose. On se retrouve à faire des images et à se passionner. J'ai quand même gardé quelque chose du côté informel, donc j'ai pas écrit de texte. Je vais faire pilote automatique, mais je pense qu'il y a tellement à dire sur des images et c'est une façon que j'ai toujours utilisée depuis que j'enseigne, travailler avec les images, que ça permet, étant une personne timide, que les gens n'aient pas le regard sur moi, mais sur les images. Et je vous jure que ça marche, ça m'a vraiment sortie de mon isolement. J'ai toujours, vous vous étonnerez pas que le sujet de mon doctorat, c'est l'image et le regard, et sur la façon de regarder les images. Je voulais aussi expliquer que j'ai abordé le sujet drôlement. J'ai une collection de photographies du Québec, mais aussi d'Europe, à peu près 3 000-4 000 photographies originales de 1850 à 54, disons, jusqu'à 1920. Et que je cherchais, évidemment, puisque je travaille sur ces photos, à montrer ces fameuses jeunes filles. Donc je suis passée à travers toutes ces photos et chaque fois que je les regardais, je disais, non, celle-là est trop jeune, est trop vieille. Ça, c'est une femme. Ça, c'est une femme, c'est pas une fille. Ça, c'est une jeune fille. Alors, je me suis beaucoup amusée à faire ce jeu-là, et donc j'en ai beaucoup éliminé. J'ai volontairement choisi systématiquement des photos de jeunes filles du Québec, parce que je trouvais qu'on n'en parle pas assez, qu'on ne les voit pas assez, et que ça me bouleverse toujours de voir chaque photo. Vous verrez, on pourrait écrire un roman sur chacune de ces photos qui nous parle, qui nous raconte une vie. Et ces personnes-là, surtout au 19e siècle, qui posent devant le photographe, on dirait parce qu'en plus le regard est frontal, contrairement à nos photos contemporaines, on dirait qu'elles demandent à être regardées, elles demandent à revivre. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en les regardant. Donc j'ai choisi beaucoup de ces photos, quelques-unes venant d'Europe quand je n'avais pas ce que je trouvais, et je les ai agrémentées de quelques gravures qui peuvent nous expliquer un petit peu l'histoire de la mode. Donc j'ai appelé ça galerie pensive de portraits que je vous convie. La mode n'avait rien de futile hein, pour la femme au 19e siècle, et pas seulement pour les femmes. Les hommes étaient passionnés de mode. Vous connaissez sûrement tous les textes que Baudelaire a écrits sur la mode et la modernité. Balzac lui-même disait: La toilette est tout à la fois une science, un art, une habitude, un sentiment. Déjà, on se rapproche de la jeune fille. Et l'inventeur de la haute couture, Worth, le grand inventeur de la haute couture parisien, je suis un grand artiste, j'ai la couleur de Delacroix et je compose. Une toilette vaut un tableau. Donc vraiment, la mode est au premier plan, ce n'est pas rien. Et c'est que si elle était tellement liée à la modernité pour des auteurs comme Baudelaire, mais aussi Mallarmé, évidemment, c'est aussi parce que la beauté s'avère à la fois éternelle et éphémère. Et c'est le côté éphémère de la mode qui intéressait les écrivains de cette époque.
Alors, je veux aussi, même si on ne verra pratiquement pas d'hommes dans le choix que j'ai fait, ce qui est rare, parce que je travaille sur les hommes, les femmes et les enfants de cette époque-là, je voulais aussi vous rappeler, mais vous vous en souvenez très bien, qu'à la même époque, les hommes sont tous habillés en corbeau noir. Que les hommes ont renoncé quasiment à la mode, ont renoncé à la couleur, parce qu'ils se sont mis au travail. C'est fini l'époque de l'aristocratie du 18e, où les hommes parlaient chiffon avec les femmes, ils s'y connaissaient d'ailleurs très très bien, et parce qu'ils n'avaient rien à faire. Là, les hommes de la modernité travaillent. Et pour ce faire, ils ont relégué, vous le savez, les femmes à l'intérieur. Donc les femmes deviennent les maîtresses de l'univers domestique. Et ce faisant, elles deviennent aussi la vitrine, c'est vraiment le cas de le dire, du compte en banque de leur mari, quel qu'il soit. Alors les hommes, au fond, ayant renoncé à la parure, s'habillant, c'est Théophile Gautier qui a cette phrase merveilleuse, il dit... Ils trouvaient ça terrible, ce siècle, où les hommes, on dirait qu'ils ont pris le deuil du siècle précédent. Ce siècle précédent où les hommes étaient tout en couleur, et au 19e, on est tout en noir. Donc, les femmes doivent représenter le compte en banque de leur mari, et c'est pour ça qu'elles sont tellement colorées, qu'elles mettent de la soie, qu'elles mettent de l'argent, de l'énergie pour la mode, et c'est comme si au fond les hommes s'est dit « Bon, ben maintenant c'est toi qui prends le relais et tu vas me mettre, tu vas me définir socialement ». C'était un peu ça l'idée, que c'est la femme qui définit l'homme socialement par sa parure. Alors imaginez le boulot, c'est quand même déjà tout un programme, sans compter tout le reste, parce que c'est vrai, on l'oublie trop souvent, les femmes ont toujours travaillé. Alors, la seule chose que j'ai faite, j'ai trouvé ça intéressant après avoir fait toutes mes images, c'est j'ai pris la chronologie proustienne. Je crois que vous avez tous dû lire « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Je n'avais pas le temps de le relire, parce que je le relis aux 10 ans, mais là, ce n'était pas rendu aux 10 ans. Et donc, j'ai repris la chronologie proustienne que vous connaissez peut-être, mais on l'oublie tout le temps, pour de temps en temps vous dire « Bien, tenez à telle époque ». C'est ça dans la recherche, évidemment, à la recherche du temps perdu. C'est ça que je dois utiliser. Donc, le premier est très ancien, il s'agit d'un ambrotype. Donc, ces photos totalement originales, il n'y en a qu'une et je la possède. Alors, je suis très fière. Et évidemment, j'ai commencé par la petite fille, parce que ça commence avec la petite fille, qui, dans cette image quand même assez nette, assez définie, quoique foncée, cette jeune fille pose complètement en bijoutée. Mais vous avez remarqué que les photographes de l'époque retouchaient les photos, et donc ses boucles d'oreilles, son médaillon, ses bracelets, tout ça a été retouché avec de la peinture dorée pour s'assurer qu'on voit bien ce qu'elle représente pour le reste de la famille. Par rapport à sa robe, c'est une période terrible. Nous sommes donc à la fin des années 50, donc 1850. Les petites filles étaient déguisées en robe du soir, donc elles montrent ses épaules. C'est complètement absurde, comme on sait, comme c'est moche, en plus des épaules de petites filles, avec tous les os qui sortent, pas de poitrine, à moins de mettre des Kleenex, c'est l'horreur. Mais, et en dessous, elle porte, on devine, une petite crinoline. Donc nous sommes à l'époque de la naissance de la crinoline, qui est née en 57, et elle porte probablement un jupon crinoline, on voit un peu le volume, mais je voulais partir de la crinoline, parce que la crinoline est un objet absolument incroyable que les femmes se sont imposées avec bonheur, et nous verrons un petit peu pourquoi. Donc, je passe, voilà. Je vous en montre une autre, tout à fait le même genre de déguisement, mais je vous montre à côté le corset, parce qu'on le voit très bien que la jeune fille porte un corset et que ce corset est fait pour être porté même quand on n'a pas de poitrine, rien du tout. Vous voyez son côté très très raide, c'est parce qu'elle ne peut pas se plier. Donc dès l'enfance, très tendre enfance, les garçons aussi étaient mis dans des corsets. Et ce sont ces corsets qui permettent de former le corps. On pensait que les corps étaient informes. Et donc, il fallait former à la fois le corps et la morale de la jeune fille en l'enfermant dans un carcan. Ce n'est pas autre chose. Le corset est un carcan qui différencie beaucoup
les gens civilisés des non-civilisés, parce qu'on se dit civilisé évidemment en Occident. Et porter un corset, c'est la civilisation. Et je vais avancer parce qu'on en a beaucoup. Alors je vous montre deux jeunes filles, nous arrivons dans les années 1860, nous sommes quand même un tout début. Ces deux férotypes, vous savez les férotypes, c'est ces petites plaques en métal qui sont aussi des exemplaires uniques, qui sont minuscules, ça mesure 8 à 9 cm, mais elles sont d'une netteté assez incroyable. Donc je vous ai montré, vous avez à droite la plus jeune, et ce qu'on voit tout de suite, on devine la crinoline en dessous, les jeunes filles n'auront jamais le droit aux grandes crinolines, mais elles en ont une quand même. Et elle est très mignonne d'ailleurs, avec un petit mantelet, les petits rubans qui ne sont pas symboles de sa jeunesse, c'est vraiment la mode des années 60, un très beau ruban écossais. Et on voit qu'elle a les cheveux tirés, mais avec des rubans dans le dos. Vous devez me croire, c'est juste une question d'habitude. Tandis que dans l'autre photo, on imagine une jeune fille semblable qui a grandi un petit peu et qui a déjà le chignon. Donc le chignon, c'est le symbole de la jeune fille qui n'est pas encore une femme, mais qui, dès l'âge de 16 ans, 16-17 ans, approche et s'en va vers son destin. Le chignon, à ce moment-là, est rentré dans une sorte de filet qui permet de bien tenir la chevelure. Ça, c'est une coiffure typique des femmes ordinaires, qu'on soit, les deux photos viennent du Québec, évidemment, qu'on soit au Québec ou en Europe, il n'y a pas de différence au point de vue mode. Ça, c'est très important, et vous êtes obligés de me croire, je fais la première thèse sur le sujet. Et on s'habille aussi bien ici qu'ailleurs en Europe. Évidemment, il y a des différences dans les classes sociales, et encore, on se bat beaucoup pour rentrer dans la norme. N'oubliez pas, vous l'avez sûrement étudié, le 19e est une époque extrêmement normée et la mode fait partie de ces normes extrêmement strictes. On ne saurait y déroger sans tomber, c'est le cas de le dire, dans la rue, dans la déchéance. Donc on suit la mode, pas pour toujours se faire plaisir, mais pour suivre la norme. Et s'écarter de la norme, c'est être critiqué d'une façon terrifiante, c'est être écarté de la société. Et le 19e est unique en son genre pour ça. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup la phrase d'Anatole France qui parlait de, je crois même que c'est le titre de son livre, « Ce stupide 19e siècle ». C'est ça, Michel, le titre d'Anatole France, « Ce stupide 19e siècle », c'est le titre du livre. Je crois que c'est France, mais ce n'est pas grave. Je suis d'accord avec ce stupide 19e siècle. Juste par rapport aussi aux femmes, ne pas oublier, parce qu'on a l'impression que les femmes sont allées depuis les hommes des cavernes qui les traînaient par les cheveux jusqu'à notre époque moderne où on est si épanouie et on fait 3-4 jobs en même temps. Comme si ça avait été une ascension graduelle, ce n'est pas vrai du tout. Il y a vraiment eu des hauts et des bas, des périodes où les femmes étaient plus valorisées, sans être légales. Il faut quand même savoir que le 18e est une époque d'or quand même pour la femme en général, et que le 19e est un véritable recul, où on remet les femmes dans un carcan. Mais c'est ce carcan, c'est ce corset qui va probablement permettre aux femmes de s'épanouir par la suite. J'avance. Alors voilà une jeune fille de la ville de Québec qui porte une crinoline pour son âge, qui n'a pas l'air très charmée d'être dans son corset rigide. Je veux juste rappeler quand même que sur ces photos anciennes où les gens ont l'air d'être prêts à se suicider juste après, c'est tout simplement parce que, rappelons-nous qu'ils essayent d'imiter les portraits que les nobles et que la bourgeoisie pouvaient se permettre. Donc, sur les tableaux, les hommes comme les femmes ne souriaient pas. Forcément, vous ne pouvez pas tenir une pose pendant plusieurs jours en souriant. Donc, dans la photographie, les gens vont... C'est pas la première fois qu'ils ont le droit d'être représentés, de se faire mettre en portrait. Ils vont faire comme dans les portraits peints. Donc, ne jamais sourire. Et je peux vous garantir que dans 30 ans, enfin, en 2050, disons, quand les gens verront nos photos des 20 ou 30 dernières années, où tout le monde est hilar sur les photos, on va trouver... Mais ils étaient complètement fous. Mais ils étaient tous stone, c'est pas possible. Pourquoi ils sourient à ce point-là, comme si la vie était si belle? Alors qu'on est en plein, il y a la guerre partout, il y a la bombe atomique, et on sourit sur toutes nos photos. Et j'avoue que je suis d'accord que c'est complètement stupide, et je ne souris jamais sur mes photos, donc je n'ai jamais de bonnes photos.
Donc, ce que j'aime bien aussi, c'est la recherche textile aussi, avec les rayures qui sont vraiment très, très mignonnes sur cette robe. J'aime aussi la fausse barrière, regardez bien les fausses barrières, le linoléum par terre, le mur. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans ma collection à trouver les photos de photographes ambulants, de photographes ordinaires qui photographiaient des gens relativement ordinaires. Alors, j'ai de toutes les classes sociales, j'ai fait un choix, évidemment. Et vous voyez qu'elle porte la même coiffure avec assez basse, avec le chignon bas, dans un filet. Alors ça, c'est ce que les gravures de mode nous présentent. Alors à droite, vous avez l'énorme crinoline qui pouvait aller jusqu'à 5 mètres de diamètre. C'est quand même énorme. Vous savez qu'on a, coupé, éliminé les trumeaux de certaines cathédrales pour permettre à l'impératrice de passer. Parce que ça ne passe pas dans les portes. Alors ça coince. Donc, ne pas oublier que c'est quand même, elles ont été portées. La preuve, c'est que nous avons une robe qui, elle, est américaine, qui vient du Metropolitan, qui nous montre une robe très semblable à celle que nous voyons dans la gravure. Ces robes se portent, mais vous ne les verrez pas sur les très jeunes filles. Moi, j'en ai déduit, c'est tout simplement parce qu'il faut apprendre à manœuvrer ces bateaux-là. Donc, on commence avec le corset, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on met des crinolines qui sont de grandeur très moyenne. Et il faut apprendre à s'asseoir, à rentrer dans les calèches. C'est quelque chose, on s'assoit, puis tout monte. Et c'est épouvantable. Il y a des albums complets, quand on lit les nouvelles de cette époque, de drames. Ces crinolines qui sont en métal se prenaient dans les poignées de train. Imaginez, c'est la mort assurée, le train démarre et c'est fini. Oui, il y a plein d'histoires, ça prenait feu parce que c'était trop large. On en rit, mais une des sœurs d'Oscar Wilde est morte ainsi. C'est affreux. Et on ne peut rien faire parce que la crinoline est en acier, on ne peut pas l'enlever. Donc une fois qu'une femme avait pris feu, vous savez, il y avait le foyer. Donc la femme s'approche du feu, ça prend feu, c'est fini, terminé. On l'a regardé brûler et amen, c'était fini. Donc, juste rappeler aussi que je suis historienne du costume, donc je m'insurge un peu contre ces histoires du costume qui nous font l'histoire de la mode en réalité, non pas du vêtement porté, et qui nous la font avec les gravures de mode. Vous avez vu par rapport aux photos qu'on est loin quand même de ces images-là. Et les gravures de mode montrent une taille beaucoup trop petite, une robe beaucoup trop longue, des pieds qui n'existent pas. Mais je l'avais choisie celle-là parce que la demoiselle, c'est quand même une demoiselle, regarde au loin, elle est au bord de l'eau, visiblement. Et évidemment, le jeune homme qui la courtise, vous voyez qu'il ne peut pas être à côté d'elle. Il n'y a pas la place. Ça ne marche pas. Et ça ne l'empêche pas d'être en train probablement de lui dire quoi voir, quoi penser, et vous savez, lui apprendre. Hein, c'est typique comme attitude. J'avance. Là, voilà les fameuses, une grandeur moyenne qu'on appelle crinoline cage. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, les femmes qui auparavant, dans les années 50, portaient 6-7 jupons cerclés aussi, qui étaient tellement lourds et tellement chauds et qui créaient des problèmes de dos terribles parce que ça pesait fort, lorsque la crinoline est arrivée à la fin des années 50, elles ont trouvé que c'était une libération. C'est bizarre, mais c'était une libération, c'était plus léger, c'était plus facile à manœuvrer, c'était moins lourd, ça faisait moins mal au dos, c'était moins pénible. Donc, mais c'est quand même une cage. Alors les caricaturistes aussi ont beaucoup brodé là-dessus par rapport à la cage. Dans les caricatures, on voit des lions à l'intérieur de ces cages en disant que c'était une bonne façon de chasser. Mais les femmes y tenaient quand même. Et je peux vous allez me dire, oui, mais des trucs pareils, ce n'est que pour les femmes qui n'ont rien à faire. Ben, détrompez-vous, parce qu'on portait des crinolines au travail, on portait des crinolines dans les champs. On sait qu'en Allemagne, un voyageur a noté, était très étonné de voir que les bergères étaient en crinoline. On se demande qu'est-ce qu'elles pouvaient bien foutre en crinoline. Et ce n'était probablement pas la jolie cage fabriquée par Gagelin comme ici, donc par un bon fabricant de crinoline. Mais elles avaient probablement pris des jupons, des joncs, des cerceaux, tous. Elles allaient voir le maréchal Ferrand en lui disant « mais j'ai besoin d'un petit bout de métal ». Elles devaient se patenter leur crinoline, c'est sûr. Elles ne pouvaient pas les acheter. Mais c'est étonnant de savoir qu'on travaillait avec corset et crinoline.
Alors ça, c'est la version jeune fille. Et c'est intéressant parce qu'on voit l'évolution de la crinoline de la jeune fille. Et j'aimais bien parce qu'avec la petite pose du mannequin, qui est tout à fait anachronique, mais ce n'est pas grave, parce que c'est dans un musée, on voit, je peux quand même vous montrer un petit peu l'évolution de la crinoline des années 67. Et ils sont mélangés en fait. Ça, c'est plutôt 65-66. Ça, ce serait plutôt 67-68, avec, vous voyez, le volume qui va aller vers l'arrière. Tout simplement parce que quand on est arrivé à 5 mètres de large, on ne pouvait pas aller plus large. Donc, oui, c'est ça la mode. Hein. Il fallait changer, il fallait évoluer. Donc, comme on ne peut pas aller plus large, qu'est-ce qu'on fait? On va plus en arrière. Et ça passe quand même plus ou moins bien dans les portes. Alors ça va être l'évolution de la crinoline que nous allons voir. Et ça, ça sera plus celle qu'on porte dans les années 75, mais ils ont omis de rajouter l'énorme tournure que dans les années 75, nous allons voir. Parce que pourquoi faire confortable quand on peut faire inconfortable? Ce fameux tableau, bon, je vais peu montrer de tableau, mais celui-là, on ne peut quand même pas le manquer. C'est Monet, Femme au jardin, 66. Oui, c'est bien ça, 66. Juste parce qu'on a quand même une image, surtout à droite, de la jeune fille. Pourtant, ce n'est pas une jeune fille. On pense que c'est Camille, la femme de Monet, qui a servi de modèle pour toutes les femmes qui posent. C'est pour ça qu'elle se cache derrière un bouquet, qu'elle baisse la tête, qu'elle se monte de profil. C'est assez rigolo. Et on voit quand même l'ampleur de ces crinolines, et la volonté aussi d'être à l'extérieur. Ce n'est pas seulement les peintres impressionnistes qui cherchent à aller dans le plein air, c'est aussi les femmes qui commencent à vouloir sortir de la maison. C'est un peu le début du plein air. Et ce qui est intéressant, nous sommes rendus en 67. Lega est un peintre de l'école italienne et c'est un tableau qu'on connaît peu, donc j'aimais bien ça le montrer. À la fin des années 60, on a quand même un peu marre de cette crinoline, d'abord parce que, comme je vous ai dit, on ne pouvait pas aller plus large. Et à l'intérieur, donc dans l'intimité, le matin, s'il n'y a pas de visite, les femmes portent la même robe mais laissent tomber la crinoline. Et ça nous fait du bien de se dire que quand même, quand la femme chez elle pouvait se permettre de la faire tomber, c'est un très rare tableau où on voit, alors qu'on le voit souvent sur les photos. Et j'aime beaucoup ces trois jeunes filles à la maison, mais tout à fait des années 60, mais si elles sortent, je vous assure qu'elles remettent l'énorme cage en dessous. Alors 68-69, je voulais montrer une photo d'une femme qu'on peut dire de la noblesse québécoise, Lilia de Salaberry, que j'ai retrouvée par hasard dans ma collection, mais j'aimais beaucoup parce qu'elle a 17 ans. Donc elle vient d'une famille très importante pour ceux qui s'intéressent à l'histoire. Sa mère est une franchère. Les franchères, bon, c'est tous ces patriotes. Hein, donc, et son grand-père, donc, de l'autre côté de Salaberry, c'est le héros de la bataille de Châteauguay. Donc tout ça, c'est vraiment... Elles viennent d'une famille tout à fait héroïque. Et elle va épouser pas n'importe qui. Il s'appelait Louis Machin Larocque de Duroc. Larocque Duroc. Donc c'est un peu compliqué. Mais moi, ce que j'aimais dans cette image, c'est qu'elle nous montre que ce sont les femmes bien nanties de la haute société qui, les premières en public, vont oser poser sans crinoline. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment dater la photo de 68-69, parce que dès 70, elle sera rendue à l'étape suivante. Donc j'aime beaucoup cette jeune femme qui pose avec, vous avez remarqué, la fausse barrière en faux bois. Et la fausse fourrure par terre, c'est hallucinant. Alors, je voulais juste peut-être montrer un autre visage de Lilia de Salaberry, peut-être. C'est un portrait de Degas. Je pense qu'on ne connaît pas le nom de la jeune femme, mais il pourrait vraiment être daté de cette époque-là, par la coiffure, ça c'est sûr. Elle porte la même coiffure que nous avons vue chez Lilia tout à l'heure. Et par le ruban qui encercle la coiffure, qui normalement est souvent pâle. Ici, il semble foncé, mais aussi la peinture... ce tableau est à Orsay, je crois que je l'ai photographié avec le tableau, le cadre à Orsay. Les boucles d'oreilles allongées, typiques de la fin de la décennie, des années 60. Donc j'aime beaucoup ce visage très, très touchant qui fait un équilibre avec les photos un petit peu dures des visages de cette époque-là.
Je vous montre aussi un portrait inédit d'un peintre inconnu. C'est un tableau que j'ai eu la chance d'acheter, l'unique tableau que je possède, et qui était très facile à dater, 1867-69. La jeune femme est suisse, j'ai acheté le tableau en Suisse, et le brocanteur, il était par terre, pas du tout encadré, en mauvais état. Le brocanteur qui me l'a vendu m'a dit, écoutez, ça vient d'une famille noble des châteaux de la région, mais elle vend ses tableaux en cachette de sa famille petit à petit, donc je ne peux pas vous dire qui c'est. Donc le mystère reste entier, mais c'est clair que c'est un tableau typique de jeune fille avant son mariage, parce qu'on faisait systématiquement soit faire un portrait, peint comme ici, soit faire une photographie juste avant le mariage des filles, parce qu'après ça sert pour mieux les vendre. N'oubliez pas qu'une fille à marier est une fille à vendre, donc il fallait garder l'image de cette jeunesse, parce qu'en plus cette jeunesse n'allait pas durer très très longtemps. Elle porte un chemisier avec une jupe, comme on a vu exactement dans le tableau de Léga tout à l'heure à City, et le ruban bleu. Assez mignon. Et c'est une jeune femme protestante et forcément la région où je l'ai trouvée. Alors là, on est dans les photos, on est dans le réel. Deux photos qui viennent du Québec, de Montréal même. Et je trouvais ça assez touchant, la jeune femme tout à gauche, qui est tellement jeune justement qu'elle porte quand même un corset, c'est visible, mais elle n'a pas le droit à l'ouverture du corsage devant. Vous voyez, il n'y a pas de bouton, parce que les enfants avaient des robes toutes faites qui imitaient vraiment celles des adultes. La seule différence, c'est que c'était un peu plus court et elles étaient attachées par derrière. Alors au fond, elles ont encore plus enfermées. Elles ne pouvaient même pas se déshabiller elles-mêmes. Peut-être parce que si elles avaient eu le choix, elles se seraient déshabillées le plus rapidement possible. Et donc j'aime son côté aussi... quasiment décoiffée. On voit très bien que ça n'y est pas encore, la coiffure, mais que sa mère dit, c'est pas grave, bientôt, c'est pour ça que je l'ai mise à côté de l'autre, bientôt, elle va être comme l'autre à côté, un tout petit peu, peut-être 2 ans de plus qu'elle, 2-3 ans de plus qu'elle, qui a enfin le chignon, la bonne coiffure, et puis, ce qui est rigolo aussi, c'est son Kleenex qu'elle a mis autour du cou, c'est pas très charmant, c'est pas très joli, mais bientôt, elle aura le droit au très joli jabot en soie effrangé avec la petite broche comme la jeune fille à droite ainsi que les boucles d'oreilles. J'aimais bien voir ce passage d'un visage et d'une forme à l'autre. 1871, une photo qui a manifestement été mal découpée pour être mise dans un cadre ovale, mais enfin c'est une photo quand même assez rare pour Montréal de cette époque, 1871. La jeune fille a les cheveux relevés, il y a toujours le ruban qu'on a vu précédemment, mais les cheveux retombent par derrière dans des boucles. C'est typiquement la mode pour les jeunes femmes, et les femmes mariées vont avoir un système qui ressemble un peu à ça, mais les cheveux beaucoup plus en arrière. Donc les filles en cheveux, si ce ne sont pas des prostituées, ce sont des filles non mariées, ça vous le savez. Et elles portent une sorte de robe comme une sorte de jumper, avec des petites bretelles et un chemisier en dessous, mais quand même très sophistiqué. On est dans la soie, donc il s'agit vraiment de la haute société. Elle a un livre, c'est Michel qui nous dira quel livre elle lit, mais vous savez probablement que ces livres traînaient chez les photographes et servaient d'accessoires pour tenir la pose. Je rappelle que c'est cette date-là, justement, j'avais dit que je ferais un rappel avec la recherche de Proust, c'est à peu près cette date-là, 70-71, que Odette est vendue par sa mère alors qu'elle a 16-17 ans, peut-être cet âge-là, et qu'elle est vendue à un riche anglais à Nice pour être prostituée, quoi. Donc juste faire des petits rappels qu'elle devait ressembler à cela. Alors voilà la version 1 ou 2 ans plus tard, un tout petit peu plus âgée. La jeune fille a quand même relevé ses cheveux et vous vous étonnerez peut-être de la position. Toutes les images des années 70, toutes les femmes, on dirait qu'elles ont très mal au dos. Elles sont toujours à côté sur un fauteuil qui n'existe pas dans la réalité. C'est des fauteuils de photographes qui ont un dossier surélevé et qui ne servent qu'à accoter les femmes. Parce qu'on a commencé l'époque de la fameuse tournure
où les crinolines se sont affaissées et avec le surplus de tissu qu'on avait à l'arrière, on a commencé à ramasser tout ça derrière le dos pour faire ce qu'on appelle, on appelait vraiment ça comme ça, un faux cul. Puisque, contrairement à aujourd'hui, où les femmes se suicideraient si elles avaient des derrières trop gros, ce qui est complètement stupide, on adorait l'idée de montrer les formes. Les Anglais utilisaient à l'époque une expression magnifique, c'était « to have it both ways ». Je traduirais en québécois « l'avoir des deux bords ». Alors voilà. L'avoir des deux bords, il fallait le montrer, c'est l'érotisme. On parle d'une jeune fille, mais qui déjà montre à la devanture c'est tous ses avantages, tous ses atouts qui sont faux, évidemment. Parce qu'il y a évidemment beaucoup d'écrivains à l'époque qui disent, imaginez la déception du mari quand il enlève tout ça et qu'elle se retrouve plate comme une planche. Parce qu'évidemment, le corset et la tournure, le faux cul, permettaient toutes les tricheries possibles et imaginables. Mais vous vous demandez, mais au monde, quelle est l'idée d'avoir ça si gros ? Puis d'avoir ça si gros, c'est quoi l'idée ? Où se trouve l'érotisme ? Mais l'érotisme, il est très évident quand vous pensez que c'est ce qui met en valeur la taille. Et la taille, peut-être vous n'êtes pas d'accord, mais désolée, les psychologues le confirment encore aujourd'hui, ce que les hommes... Ce qui excite le plus les hommes aujourd'hui, c'est la différence entre la taille, la poitrine et le derrière. Donc, c'est avoir la taille la plus petite possible. C'est au fond ce qu'ils n'ont pas. Eux, ils sont tout droits, ils n'ont rien. Il n'y a rien d'intéressant d'ici à là. Tandis que les femmes ont ces rondeurs à la base, symbole de fertilité. On le comprend très, très bien pour ce qui est du bas, en tout cas. Et ça reste que la taille, la différence entre la taille et la poitrine et le derrière est important. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, contrairement aujourd'hui, être une femme grosse, enveloppée, n'est pas grave, parce qu'on peut toujours avoir une taille fine, et je veux dire, peu importe par rapport au reste. Donc on peut toujours avoir une sorte de dignité que les femmes plus enveloppées, on leur enlève aujourd'hui. J'avance quand même, juste pour vous montrer des portraits de femmes, Berthe Morisot, qui représente une de ses sœurs, en tout cas, mais ça s'appelle les deux sœurs de cette époque-là. Et on voit très bien que les femmes sont toujours un peu penchées, toujours l'idée de montrer le derrière, même dans un tableau de Berthe Morisot. Et on voit le tout début de cette mode. On voit ici, très très bien, ici le derrière qui est vraiment mis en valeur. Et les cheveux qui commencent à monter. Elles ont encore des boucles. Des serpenteaux, comme on les appelle, mais la coiffure va commencer à monter parce qu'il fallait bien faire monter quelque chose. 69, une robe de cette époque-là qui nous montre exactement ce qu'on a vu tout chiffonné tout à l'heure, qui nous montre l'accent mis sur ce qu'on va appeler le pouf ou le faux cul à l'arrière, qui est évidemment toute une armature. Et dans les musées, c'est tout le défi, c'est de pouvoir remonter correctement ces robes qui sont souvent, hélas, mal montées. Alors, avec tout ça, je vous ai dit la vogue du plein air, mais aussi la vogue des plages. Et les Harper's Bazaar ici, qui étaient accessibles à Montréal, proposent cela pour aller se baigner. Alors, on n'a pas l'impression qu'elles sont prêtes à se baigner, d'ailleurs. On en parle, on en discute, et puis on dit, fais attention. Et puis, sachez que tous les vêtements que vous voyez sont faits en pure laine. Et je me suis posé la question, je dis, il me semble que moi, je mettrais un peu de coton. Non, c'est parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps. En fait, le coton serait devenu transparent. Il aurait fait, vous savez, comme Bo Derek qui sort de l'eau, là. Il n'en était pas question. Donc, pour masquer les formes, pour pas qu'on les voit, on les habillait en lainage. Et il y a toutes sortes de lainages, du barège, du mohair. Enfin, c'est plus ça pique et mieux c'est. C'est affreux. Et il fallait quand même du courage pour aller se baigner affublé comme ça.
Elles portent quasiment l'équivalent des fameux bloomers, hein, les bloomers qui, Amelia Bloomers, qui était une féministe de son temps et qui a quand même promu, mais qui n'a pas réussi à son époque, elle, c'était dans les années 50-60, et essayait de dire, ben, allons, ayons des choses plus intéressantes. Et le costume qu'elle prenait pour la femme tous les jours, c'était une sorte de pantalon bouffant avec une robe coupée. Mais bon, ça va attendre la bicyclette pour que ça fonctionne. Et j'ai trouvé une caricature très intéressant du Harper's Bazaar, qui montre comment à gauche la jeune femme rentre dans l'eau et comment elle en ressort à droite. Alors vous voyez, il n'y a pas besoin d'explication. C'était vraiment compliqué. Et imaginez, c'est de la laine. Hein? C'est froid, ça pique. Mais ce qui est quand même merveilleux, c'est qu'elles le font. Moi, je ne ferais pas. Moi, je préfère rester au bord de la plage avec mon parasol. Moi, je ne ferai jamais un truc aussi effrayant. Alors, Manet qui peint Berthe Morisot, donc un peintre qui peint une autre peintre. Vous savez que Berthe Morisot a été l'étudiante ou l'égérie, la muse aussi de Manet, mais c'est une femme peintre qui, à l'époque, était considérée l'égale des impressionnistes. Des gens comme Pissarro, Manet la considérait totalement comme leur égale. C'est quand même assez incroyable dans ce stupide 19e siècle. Et ici, c'est intéressant parce que Berthe Morisot a parlé de ce tableau. On a l'impression qu'elle est comme confortable, un peu affalée, on dirait effouérée, là, ici, un peu effouérée sur son canapé. Et on s'est dit, bon, ben, malgré tout, avec tout ce tralala, avec ses corsets, mais quand même raide un peu, hein, eh ben, on peut être confortable. Eh ben, pas du tout, parce que Berthe a écrit que les poses pour ce tableau étaient insupportables, qu'il l'obligeait à prendre une pose totalement inconfortable et qu'elle avait horreur de ça, qu'elle garde un très mauvais souvenir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle boude. Alors, je voulais vous montrer que les femmes font toutes sortes de choses maintenant. Nous sommes dans les années 1870. Toxophilite, si vous parlez le grec, vous savez que toxon, ça veut dire l'arc. Donc, les amoureuses de l'arc, il y a des femmes qui étaient spécialistes du tir à l'arc. On aime beaucoup l'idée. Et elles, vous voyez comment elles sont habillées, avec vraiment tout le derrière bien mis en valeur. Et comme ce n'était pas assez gros, on a rajouté un ruban en soie. Comme ça, ça tient beaucoup plus large. Et vous ne vous demandez pas pourquoi le peintre ne l'a pas peint de l'autre côté. Parce qu'on n'aurait pas vu le derrière à ce point-là. Donc c'est vraiment très, très important. On met en valeur, on le sait, les hommes en sont conscients. Et le petit chapeau qui est incliné devant, c'est pour faire pendant. Vous savez, comme il y a ça qui va là, eh ben, il faut faire un petit pendant pour l'équilibre. Ça aide beaucoup. Tout est très, très, très bien réfléchi à l'époque. Deux jeunes femmes de Québec. Ça, c'est, elle a pris sa photo à New York, mais c'est une Québécoise. 72-75. J'aimais beaucoup la fraîcheur de ces visages. Et on voit très bien la coiffure qui commence à monter dans les années 70. Et aussi tous les rubans en velours qu'on commence à mettre autour du cou, les colifichets. Les petits plastrons blancs, les boucles d'oreilles qui, à elles seules, suffiraient à dater les photos. J'aimais beaucoup ces jeunes filles. Je ne voulais juste pas oublier ma chronologie parce que j'avais oublié qu'en 71, c'était aussi la naissance de Proust et qu'à cette date-là, 73-74, oui, c'est ça, Odette vit des plaisirs à Nice. Et voilà, on n'est pas encore au moment où elle est courtisée par Swann, mais nous allons y arriver. Regardez comme elle est mignonne, celle-là aussi. Celle-là, elle vient de Montréal. Elle a aussi les belles petites boucles d'oreilles. Elle est quand même très engoncée, hein, ça c'est sûr. La poitrine est bien écrasée. Mais vous pouvez être assuré que derrière, elle a un faux cul. Même les enfants avaient des faux culs à l'époque. La coiffure monte. 76, et j'aime bien parce que j'ai un nom et un prénom, Clarisse Nadon. Nous ne savons rien d'elle, mais le roman est tout à écrire. Et à nouveau, la même pose. Donc, la pose, c'est pour mettre en valeur ce qu'on voit ici. Donc, vraiment, le derrière, énorme. Et puis, les drapés. Alors, on commence à draper de plus en plus. Et on repose tous ces drapés à l'arrière. Tout ça est monumental. Et la jeune fille a bien obligée de s'accouder de cette façon-là, parce que si elle s'asseyait, elle écraserait le tout. Elle ne pourrait pas montrer qu'elle avait le droit à la tournure.
Alors 76, ben, on commence à être l'époque où Swann commence à courtiser les années, à la fin des années 70. Swann va courtiser Odette. Et oui, c'est intéressant parce que j'ai juste noté un petit bout de Proust. Quand il parle de Odette, il parle les rentrants et les sortants factices. Il parle exactement ça. Tout ce qui fait qu'on rentre la taille et qu'on sort tout le reste factice, parce que tout cela était souvent assez faux, et qu'une femme qui n'avait pas assez de poitrine, par exemple, ben, on avait bien des fausses poitrines en caoutchouc déjà à l'époque. C'est affreux à voir. J'avance. Alors, je voulais vous montrer des femmes dans l'intimité. Et évidemment, j'ai choisi Berthe Morisot, un tableau peu connu de cette époque, 76. Donc, la même, vous voyez, ça se passe en même temps que la photo que nous venons de voir. C'est sa sœur qui est sur une terrasse à Paris, qui arrose son jardin et qui porte une robe d'intérieur. Alors, vraiment, ce qu'on appelle une matinée, une robe en lingerie, très confortable. Mais elle a un corset, mais un corset du matin. Corset un petit peu plus léger, qu'on lasse un peu moins serré. Il y a des corsets de nuit, des corsets pour femmes enceintes, et des corsets pour le matin, des corsets du soir, donc il y a vraiment toute la panoplie. Et puis les paysannes qui ont un peu de difficulté à se procurer les corsets étaient tout à fait capables, avec des cordes, de corder de faire leur propre corset et de rajouter une petite planchette en bois sur le devant, souvent sculptée, pour garder cette forme-là. Et elles lassaient leur corset par-dessus la planchette en bois. C'est une coutume qui existe encore en Roumanie, pour les costumes folkloriques, évidemment. Alors, je voulais aussi montrer, j'aime beaucoup ça, une jeune femme en train de se regarder dans la psyché, comme on disait, dans ces grands miroirs, et elle est en train de se dire, est-ce que ma taille est assez fine? Est-ce que je vais en rajouter plus par-ci, plus par-là? Donc, elle est en chemise. Et ça, c'est le sous-vêtement de l'époque. Il ne faut pas oublier que les culottes n'existent pas, et les petits pantalons qu'on voit parfois dans les gravures sont surtout faits pour le French Cancan. Parce que à peu près 90% des femmes en 1900 ne portaient pas de culottes. Comment le savons-nous? Il y a un journaliste qui, en 1900, s'est tenu sous la Tour Eiffel et qui a sous les escaliers de la Tour Eiffel et qui a noté toutes les femmes qui ne portaient pas de culottes. Et quand elles redescendaient, il leur a posé la question, mais d'une façon très scientifique, pourquoi? Et la plupart des femmes disaient, ma mère, ma grand-mère n'en portait pas. Et puis c'est embêtant pour faire pipi, c'est compliqué, après il y a des gouttes et tout ça, bon, et il faut laver tout ça. Donc il y avait vraiment des réponses. Et puis il ne faut pas oublier que pendant des siècles, c'est les courtisanes qui portaient les culottes. Donc ces femmes sont sans culottes en dessous. Mais elles considéraient que c'était plus confortable. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas de culottes. Et évidemment, comme toutes les femmes du monde, est en train de se dire, je n'ai rien à me mettre. Donc ça, rien n'a changé. Alors là, nous ne sommes pas, c'est pas de l'ordre de la jeune fille, James Tissot, qui malgré son nom est français, qui montre des femmes de dos, encore une fois, de derrière, sur le bateau. Le Calcutta est le nom du bateau, mais il y a un jeu de mots très clair que les gens avaient très très bien compris à l'époque. Quel cul tu as, hein? Quel cul tu as, bon, Calcutta. Et ce ne sont visiblement pas des jeunes filles, en tout cas, elles font tout pour ne plus l'être. Et là, on voit très clairement l'enjeu de montrer ce qu'elles avaient à vendre. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il s'agissait de vendre tout ça. Et que c'est, on en rit, on en parle, j'en parle comme ça, les femmes qui devaient se vendre, mais l'enjeu était réel, et il était tragique aussi d'une certaine façon, si on y pense. Alors, tout le chiffonné, le bouillonné, etc., c'est vraiment Odette, hein, cette époque-là, c'est assez... Et on est en 76, on n'est pas à l'époque encore où ils font Cattleya. C'est un peu plus tard. Ah, bon, ça, on ne pouvait pas le manquer. Alors ça, ce n'est pas la jeune fille, mais c'est les prostituées où il y a tellement de noms merveilleux, les grandes horizontales, c'est quand même, ou les demi-mondaines. Il y a vraiment un vocabulaire extraordinaire. Mais j'aime beaucoup ce tableau qui est très grand, qui a été exposé à Paris il y a quelques mois, mais qui se trouve à Hambourg en ce moment. La nana de Manet, qui n'a pas été peinte d'après le roman de Zola, vous le savez sûrement, mais Zola
on a discuté avec Manet et il a eu, après, a fait le personnage de Nana. Donc ce personnage de prostituée qui est quand même assez triomphante hein, dans ce tableau. Hein, c'est vrai, l'homme n'a pas le beau rôle. D'ailleurs, il est à moitié coupé. C'est pas moi qui ai coupé, c'est le peintre. C'est assez moderne. C'est l'homme, c'est le client, forcément. Et elle a l'air de nous dire, mais qui sont cons ces hommes ? Et ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et c'est vrai que, pourquoi est-ce qu'ils lui obéissent ? Parce qu'elle a compris. Et là, elle est en sous-vêtement d'abord, qui est très aguicheur, et elle devait pas porter le petit pantalon de dentelle sous sa chemise. Et là, le corset de couleur uniquement pour les prostituées à cette époque-là. Hein. Autrement, les femmes, comme il faut, portaient les corsets blancs, en couti blanc ou en soie blanc. Alors le corset de couleur, d'ailleurs, Manet a même dit, porter un corset de couleur, c'est comme être toute nue. C'est annoncer la couleur, c'est être nu. Et d'ailleurs, les critiques de l'époque, n'oubliez pas que le tableau est grandeur nature. Donc les critiques de l'époque ont été scandalisées. Comment vous nous montrez une prostituée grandeur nature comme c'était une déesse ? Ben oui, c'est la déesse du 19e. C'est la seule femme qui peut mener les hommes par le bout du nez pendant un certain temps. Hein ? Elle va le payer cher, on connaît l'histoire de Nana, elle va le payer cher. Mais aussi, la possibilité de sortir le derrière vient des talons hauts qui sont récents et qui permettent aussi la position très sexuelle qui va arquer le bas du dos. Remarquez la coiffure aussi, le drôle de petit miroir avec les deux petites bougies de chaque côté pour éclairer quand elle se maquille. Donc ça, c'est le factice à son maximum. Alors, je voulais montrer la réalité. À gauche, j'ai un très beau visage de jeune fille du Québec. Et à droite, j'ai la façon dont probablement elle était habillée. Deux jeunes sœurs avec leur frère à Lausanne. Mais il n'y a pas de différence au point de vue mode. On voit l'engoncement maximal. Ces filles sont quand même très jeunes. Et il n'y a rien qui n'indique qu'elles sont des très jeunes filles. Je ne vous étonnerai pas si je vous dis que cette époque, la mode s'appelle la mode tapissier, hein, parce qu'on a l'impression qu'elles ont des rideaux, des draperies, puis qu'on tire, on enlève le fil, puis tout va tomber. C'est assez effrayant, je pose rarement des jugements esthétiques sur la mode, mais c'est quand même une époque très lourde, très engoncée et très effrayante. Elles commencent à porter d'ailleurs des corsets de plus en plus longs, alors qu'avant, ils étaient plus courts, pour pouvoir engoncer la silhouette depuis la cuisse jusqu'en haut de la poitrine. D'où la difficulté. C'est pour ça que la jeune fille à droite ne peut pas s'appuyer sur le dossier. Ça ne marche pas. La cuillère du corset lui rentrerait dans un endroit très délicat. Donc, elle est obligée de se tenir au bord des sièges. Elle n'a vraiment pas le choix. Alors, ça, c'est l'époque où Swann commence à faire Cattleya avec Odette. Vous connaissez l'expression, autrement vous n'avez pas lu tout Proust, mais disons, ça voulait dire faire l'amour, le Cattleya étant l'orchidée qui leur servait de symbole, qui portait à la boutonnière, et puis évidemment, quand elle portait un Cattleya rouge, ça voulait dire que ce n'était pas le bon moment, et que quand il était blanc, c'était le temps de faire l'amour. Les grandes horizontales ont toujours procédé de cette façon-là. Alors, juste pour vous montrer un tableau d'ici, les enfants Burnside, où on voit une jeune fille au centre de ce tableau, même s'il y a plein d'autres enfants. Vous avez vu la poupée, qui est une poupée jeune fille, et non pas une poupée femme. Il y avait deux sortes de poupées. On pouvait, j'imagine, à Noël, dire « moi, je veux une poupée femme » ou « je veux une poupée enfant », parce que vous voyez que le devant n'est pas ouvert. Donc, c'est pour ça qu'on sait que c'est une poupée enfant. Et que la jeune fille est habillée en tout point comme sa mère, sauf la longueur. Donc, c'est vraiment la longueur qui va différencier, dans les années 80, les jeunes filles des femmes. Alors, on peut vraiment savoir l'âge. À 12-13 ans, c'est juste au-dessous du genou. Ensuite, ça redescend un petit peu. Et ensuite, il reste à peine ça sur le sol quand on est rendu à 16-17 ans. Puis hop, 17-18 ans, ça va jusqu'à terre. On est bon pour la casserole. Bonne pour la casserole. Je voulais juste vous montrer un très beau chapeau de cette époque avec un très beau visage d'une Canadienne française qui vivait en Ontario, mais dont je ne connais pas le nom. Et sous ces beaux visages, ne jamais oublier la contrainte importante.
Alors voilà des sœurs. J'aimais beaucoup le motif des sœurs qu'on rencontre beaucoup dans les photographies. Les deux photos, celle à gauche vient des cantons de l'Est et celle à droite vient de Montréal, mais elles datent à peu près des années 83, peut-être 84. Et là, on voit très bien le corsage qui s'allonge, qui devient terriblement long et qu'on appelle le corsage cuirasse. Imaginez, c'est confortable. Hein? Ah, ma chérie, on va dans un magasin, on va un nouveau corsage, ça s'appelle le corsage cuirasse. Oui, c'est vraiment, ça donne envie d'aller s'habiller, d'aller se baigner. N'empêche que ça ne les empêchait pas de s'amuser, il ne faut quand même pas l'oublier. Je voulais voir, oui, ben c'est Gilberte est née en 1880, et puis en 83, déjà, c'est le déclin de l'amour de Swann pour Odette. J'avais noté ça, 83, dans la chronologie. Alors, j'avance pour montrer, donc 83 encore pour une jeune fille, 85, 87, et voilà, vous voyez que le focus, le pouf, arrive à son maximum à cette époque-là. D'ailleurs, il est encore relativement joli, parce qu'il y en a qui étaient extrêmement droits au point qu'on pouvait y poser un livre ou une tasse de thé à l'arrière. Oui, je ne vous montre pas de photos d'adultes, donc de femmes, donc je ne peux pas vous montrer ça, mais vous pouvez me croire. Toujours vue de profil, comme par hasard, juste notez que la très belle jeune fille à gauche est en grand deuil, en premier deuil. Pas seulement parce qu'on ne voit pas de blanc, mais parce que si vous voyez toutes les étoffes rajoutées ici, ici, à l'encolure et au revers, c'est du crêpe. Donc le crêpe noir, qui est l'étoffe du deuil, parce que on croit toujours que le deuil, c'est le noir. En fait, le deuil, c'est tout ce qui n'est pas brillant. Et le crêpe, c'est l'étoffe qui enlève toute brillance à quelque matière que ce soit. Que ce soit un crêpe de polyester ou de soie, c'est la perte de la brillance. Et comme en deuil, on se retire du monde, comme les religieuses, qui sont toujours habillées de crêpe, on se retire du monde et la femme n'est plus disponible, pas oublier ça. Et une femme qui est en deuil pour son mari va être en deuil d'au moins 2 ans, 2 ans et demi. Ça dépend des régions, effectivement, et des dates aussi. Plus on avance dans le 19e siècle, et c'est assez étonnant, et plus les règles du deuil sont strictes et s'allongent. En 1860, on est en deuil moins longtemps qu'en 1890. Alors, il n'y a pas de progrès, là. Il n'y a vraiment pas de progrès. On devient de plus en plus victorien, puritain à ce niveau-là. Et la femme, si elle porte le deuil de son mari pendant 2 ans, l'homme peut ne porter le deuil de sa femme que pendant 3 mois ou 6 mois. Ça dépend aussi des régions. Pourquoi ? Ce n'est pas par cruauté, c'est juste parce que lui, là, il n'y a pas le choix. Il a souvent des gamins à la maison, il doit tout de suite trouver une autre femme. Et il y avait beaucoup de mortalité des femmes qui mouraient en couche à l'époque. On a tendance à oublier, beaucoup de femmes mouraient en couche. Donc, le niveau de mortalité des femmes mariées était terrifiant parce qu'elles avaient beaucoup de chances, avaient pas mal de chances de mourir. D'ailleurs, ça durait quand même assez longtemps. Vous connaissez sûrement le livre de Marguerite Yourcenar où elle raconte, elle raconte un peu sa vie et elle explique que sa mère, avant d'accoucher, quelques mois avant d'accoucher, elle préparait 2 tiroirs. Un tiroir avec les vêtements du futur bébé en blanc, et le deuxième tiroir du dessous, c'était les mêmes vêtements, mais en noir, en cas de mortalité. Donc les femmes préparaient leur propre mortalité juste avant d'accoucher. C'est quand même assez terrifiant. C'est Marguerite Yourcenar qui nous raconte ça. J'avais été très, très touchée par ça. Donc, juste pour parler un peu du deuil, et les femmes, elles, ce n'est pas une bonne idée qu'elles deviennent disponibles, donc elles doivent fuir la couleur et tout ce qui est brillant et pâle. Mais je voulais montrer un phérotype assez étonnant à gauche, où on a des jeunes filles, visiblement, des costumes différents, mais visiblement en été. D'abord, on a une ombrelle, vous avez vu l'ombrelle ici. Elles portent toutes des chapeaux. Si elles ne les portent pas, elles le montrent pour montrer « j'ai mon chapeau, j'ai les moyens d'avoir un chapeau, je l'ai peut-être emprunté, mais j'ai les moyens d'avoir le chapeau ». Et la jeune fille tout à droite semble sortir probablement du couvent, parce qu'elle a l'air beaucoup plus sévère et a son petit col, donc elle est encore en uniforme, tandis que les 3 autres sont assez relaxes dans des habits d'été. Et elles sont, je peux vous dire, à la fine pointe des années 84,
et c'est peut-être en 85, mais disons qu'elles sont vraiment bien habillées. Et je vous montre une gravure de mode de cette époque-là qui nous montre le maximum de foufou des années 80. Alors, le corset, le fameux corset des années 80-85, qui se nomme évidemment corset cuirasse. Et à l'intérieur, on ne voit pas, mais de chaque côté ici, il y a deux, ce qu'on appelle des cuillères en métal. Donc le devant se ferme avec des crochets en métal. On voit les crochets d'ailleurs qui sortent en métal. Mais toute cette partie-là est en métal, relativement souple. L'idée, c'est que le métal est forgé pour aplatir complètement l'estomac, faire ressortir un tout petit peu le ventre, mais aplatir l'estomac, et puis laisser bourgeonner le haut, évidemment, dans des petits goussets. La poitrine se pose dedans, elle n'a rien à faire. Et si on n'en a pas assez, on rajoute des Kleenex, et puis voilà, le tour est joué. Donc, et le lassage se fait par derrière. Hein, donc ça veut dire qu'on a besoin d'aide pour se lasser. Et que les femmes à la campagne privilégiaient plutôt le corset des paresseuses, c'est-à-dire le corset qu'on peut lasser par devant. Pas paresseuse, il fallait bien qu'elle se lasse elle-même. Il n'y a pas toujours une sœur ou une copine pour lasser quand on se levait le matin. Mais savoir qu'on allait au champ en corset, quand même. Pour les femmes qui travaillaient à la campagne, les corsets étaient souvent un peu plus courts. Je vais juste le noter. Ah, ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est des jeunes filles de mon album de la famille Poulain de Québec. Mais ce sont des jeunes filles qui travaillent dans des usines de filature. Vous voyez les bobines de fil qu'elles tiennent dans leurs mains. Donc, ce sont les bobines qui se mettent dans les navettes pour les machines à tisser industrielles. Et elles sont aux États-Unis. Alors, j'ai tout l'album de la famille Fortin et j'ai compris qu'une partie de la famille s'était exilée, comme beaucoup de Québécois d'ailleurs. Ils n'avaient pas le choix pour avoir du travail. Et toutes ces jeunes femmes travaillent dans la même filature. Elles ont pris la peine de se faire mettre dans un portrait. Et c'est intéressant de voir les différences. Il y en a qui sont mal fagotées. Il y en a qui sont... les sœurs sont souvent habillées pareil. Moi, ici, on en voit en tout cas deux. Celle-là, elle a un corset de l'époque précédente, avec un corsage de la nouvelle époque, et ça ne va pas, évidemment, ça ne va pas. Et celle-là, ici, en haut, elle a renoncé. Et elle a renoncé, vu l'énormité de sa belle poitrine. Alors, sa mère a dû trouver une façon, une méthode. Elle lui a mis une grosse ceinture, mais rien de moins saillant que ça. Mais enfin, l'idée, c'était quand même d'avoir la taille fine. J'aime beaucoup. Par contre, les coiffures nous permettent aussi de dater très facilement. Petit détail aussi, elle a un petit corsage qui n'est pas assorti du tout, corsage fleuri, avec une petite jupe rayée, avec des calicots, ces petites cotonnades légères, bon marché, vendues dans les usines textiles, probablement les mêmes qu'elle faisait, qui coûtaient pas cher. Je vous rappelle que ça coûte pas cher acheter des étoffes encore à bon marché à cette époque-là. Mais j'avance, on est dans une autre classe sociale, mais nous sommes à Québec, 1890, la famille Lacasse. Il y a donc cinq sœurs et un frère. Il y en a au moins une qui est mariée, je crois celle du centre est mariée, parce qu'après j'ai vu des photos de son mariage. Et la plus jeune se trouve à gauche. C'est intéressant de voir la variété des corsages, la variété des étoffes, le travail avec la dentelle ici, avec la passementerie là, le jabot, les plastrons jabot en soie, une robe princesse à droite, c'est-à-dire une espèce de robe manteau d'un seul tenant. Les bijoux aussi sont importants et il n'y a aucune difficulté à dater cette photo de 90-91 maximum avec les petites manches qui commencent. Vous voyez, les manches commencent à monter là, comme c'était des petits soldats en plomb. Là, c'est assez rigolo. C'est assez typique. Et la coiffure qui donne la tête en forme d'œuf. Une bonne clé de datation. Typique. Vous voyez ça, vous savez qu'on est entre 89 et 91. Et Maria Aubertin, 95. Alors bon, là, vous avez vu, on a vu, c'est allé très loin en arrière. Maintenant, on a laissé tomber le pouf, on a laissé tomber le faux cul. La jupe a l'air de tomber relativement naturellement. Mais il faut bien que ça gonfle quelque part. Alors, c'est dans les manches que ça va se faire.
Je sais pas si vous voyez la manche. Ah, puis encore, c'est très discret, c'est très joli ça, la manche. Hein. Les manches vont devenir énormes et en 96, elles vont atteindre, elles vont être gigantesques. D'ailleurs, on mettra des sortes de crinolines pour les manches, pour être sûr de tenir les manches. Mais c'est une jeune fille et les jeunes filles vont systématiquement porter une mode un peu moins exagérée. Elles n'ont pas le droit encore. J'imagine qu'elles en rêvaient. « Ah, quand moi, j'aurai le droit de porter ces énormes manches comme ma maman. » Là, on voit qu'elle n'a pas tout à fait le droit. Elle a une grande collerette encore à cette époque-là. Il me semble que j'avais des... Oui, 95, le narrateur a 17 ans et rencontre Bergotte, l'écrivain, et la princesse Mathilde Aubois. C'est aussi l'époque où le narrateur a sa première lutte avec Gilberte, et donc ses premiers émois sexuels assez importants. Donc le narrateur est amoureux de Gilberte. Ça pourrait être Gilberte, mais on sait que c'est Maria. Alors voilà, j'ai mis à la fois un tableau québécois d'Ozias le Duc de 97, un tableau peu connu, mais que j'aime beaucoup. Et je crois que c'est sa sœur ou sa... belle-sœur, je ne me souviens plus, et qui nous montre ses manches bouffantes, et une photo de quatre jeunes femmes de Montréal qui nous montrent les carrures de joueuses de hockey, on dirait, énormes, mais tout à fait normales. Hein. Elles sont habillées simplement, il y a quand même des plastrons en soie, il y a quand même une recherche, un côté sophistiqué, mais absolument rien, ni dans les bijoux, ni dans les coupes, des jupes, des manches ou de la coiffure, ne va détonner par rapport à la mode européenne, et tout à fait typique de cette époque-là. On est vraiment... genre 96-97. Alors là, c'est la seule photo de mariage que je vous montre, mais elle a l'air tellement innocente. Elle est vraiment, en plus, tellement mignonne. Et puis, vous voyez, lui, il est assuré, là, il a la main dans la poche, parce que lui, il sait ce qui va se passer. Mais elle n'a aucune idée. Vous êtes sûr que sa mère ne lui a rien dit ? On parlait de transfert, mais on sait que ça ne se fait en tout cas pas par la mère. Et elle, en plus, ce que j'aime beaucoup sur cette photo, c'est qu'on sent que sa robe est toute neuve. Hein, sa robe, elle est craquante encore. Son corset est neuf, ses souliers sont neufs, et elle souffle martyr. Elle est en train de dire, « Ok, là, c'est-tu bientôt fini ? J'ai mal !» Parce que des souliers blancs, on n'en porte que pour le mariage. Et en plus, j'ai choisi cette photo, mais les femmes ne se mariaient pas en blanc à cette époque-là, que de la haute société. Pourtant, nous sommes à Saint-Hyacinthe, hein, pas rien, donc la haute société de Saint-Hyacinthe. Et Zilda Bernier, je n'ai pas fait de recherche sur cette madame, mais donc c'était rare. La majorité des femmes s'habillaient en noir et ensuite pouvaient réutiliser leur robe noire. Donc le blanc, ça, tout est neuf, tout est beau. Et vous avez vu les manches aussi, on dirait qu'elle ne peut pas baisser les bras. Si je baisse, ça coince. Puis le photographe dit, mais faites un effort. Non, je suis de même. C'est terrible. Et puis imaginez la peur aussi. On lui dit, ce soir, tu vas faire ce que ton mari te dit. Quelle horreur. Bon, c'est terrifiant quand même. Alors ça, c'est la publicité que j'ai trouvée dans Le Monde illustré. Donc, qui est présent à Montréal. D'ailleurs, c'est une archive de la Grande Bibliothèque. J'ai trouvé ça sur Internet. Vous pouvez trouver les magnifiques archives de la Grande Bibliothèque sur Internet et qui nous montre donc quel genre de publicité. Alors, et c'est une gravure de Massicotte, notre grand graveur québécois, qui est important et qui nous montre donc une jeune Canadienne avec les manches énormes, comme le veut l'époque. Mais je n'ai pas trop compris le petit diable en haut à gauche qui rigole. Est-ce que c'est parce qu'elle suit la mode de Paris ? Probablement. Ou parce qu'elle rêve à la mer ? Regardez, il y a la plage là-bas. Bon, elle a son parasol, on ne la voit pas aller à la mer trop tôt. Et voilà, ce que j'aimais beaucoup dans cette photo de 98, c'est la même fille, la même femme, jeune fille, je devrais dire, avec le même tissu, mais deux corsages différents. Alors, la maman a acheté une batch de tissu. Et elle a demandé à la couturière, parce que c'est ça qui arrivait, « Allez, tu me coupes deux robes là-dedans, parce que ça coûtait assez cher, elle est beau. » Et c'est toujours l'idée de mettre en valeur la jeune fille qui, à 16 ans, a le droit d'aller au bal
et se montrer. Et il fallait montrer les bras, la poitrine. Et souvent, les curés de l'époque, ils en revenaient pas. Ils pestaient contre la mode. Ils disaient, je me souviens plus. Mais ça se passe en France, ça, avec une des dames de l'impératrice, où un archevêque fustige un peu une jeune femme parce qu'elle est tellement décolletée à un bal, et puis avec son énorme robe, c'était encore l'époque des crinolines, et puis la jeune femme dit, vous ne trouvez pas ça beau quand même? Regardez, j'ai beaucoup de tissus, comme c'est joli. Elle dit, oui, mais c'est quand même étonnant que la mode vous ait donné tant de tissus pour en bas et qu'il n'en restait plus du tout pour en haut. Donc, c'est ça l'idée d'une époque, on dit puritaine, où on montrait quand même les femmes énormément. Alors, il faut en parler quand même des femmes beaucoup plus modestes qui suivaient quand même la mode. Deux femmes de la campagne, visiblement, deux jeunes filles, je n'ai pas de dire femmes, c'est vraiment des jeunes filles. D'ailleurs, elles ont encore les tresses, la tresse derrière. On le voit très bien à gauche et on le devine à droite. Et on sait très bien, je sais que ça vient de Saint-Lazare, le photographe est Jean Ruel, un des très rares photographes qui travaillait à la campagne. Mais il y a aussi énormément, nous l'oublions pas, des photographes ambulants qui circulaient à travers la campagne pour prendre toutes ces femmes-là. Donc vous avez vu la longueur de la jupe, qui nous indique aussi son âge, et qu'elle a peut-être 14, 15 ans, et qu'elle n'a pas encore le droit aux jupes longues. La jupe n'est pas assortie au corsage, mais le corsage a été fait bien modelé pour être à la mode. Les jupes étaient souvent réemployées. Alors souvent, on refaisait un peu la couture pour ajuster, tandis que le corsage, souvent, on devait l'acheter neuf ou le faire. Il est un peu mal fait, d'ailleurs, les petits plis, gondoles, c'est très, très, très fait maison. Mais l'honneur est sauf, la mode est suivie, et ils ont pris une photo, c'est bon, on a une photo de notre fille, on est correct. Et un petit détail aussi sur les photos, c'est peut-être pas très clair ici, mais dans la photo originale, on voit que ses mains sont bronzées. C'est comme ça qu'on ne devine pas le visage, parce qu'à la campagne, on porte des chapeaux. Donc les paysannes peuvent se protéger le soleil du visage, mais pas les mains, pas quand on travaille. C'est une photo assez touchante pour ça. Ah, trois, je vous les ai mis juste pour les noms. D'abord, elles sont belles. Et puis, Rosa, Hermine, Albertine, Benoît, fille de Napoléon Benoît. Hein, leur mère, ça n'a pas d'intérêt, mais elles sont filles de Napoléon. Et elles sont très mignonnes. Leurs corsages sont magnifiques, très différents. Et on ne connaît rien de leur destin. Nous sommes en 98. Est-ce que j'avais quelque chose? En 98, j'avais noté, le narrateur téléphone à sa grand-mère pour la première fois. 98, Emma Poulain et ses cousines. Alors, c'était écrit derrière la photo, mais je ne sais pas qui est Emma. Désolée, mais c'est ce que je me dis. J'aime bien me dire. Ou alors celle-là qui a l'air vraiment, là, elle sait où elle s'en va, celle-là. Hein. Mais c'est bien, on voit les différences. Dans des photos de groupe, on voit non seulement les différences vestimentaires, mais de caractère, de coiffure. Sûrement, parce que les deux sont identiques. Mais je pense qu'elle n'est pas très contente, la jeune fille, quand elle a vu la photo, que l'autre écrase sa belle emmanchure surélevée. Ça ne va pas, là. Mais on voit très bien qu'en 98, les manches sont devenues trop larges, donc elle devait s'écraser. Donc, on n'a plus que des mancherons maintenant. Alors, et là, la prochaine étape, ce sera des manches plates, forcément. Et après, on va recommencer le cycle, parce que les modes changent, puisqu'elles sont faites pour changer, comme disait Proust. Mais vous remarquez qu'il y a des jeunes filles habillées pareilles. Les sœurs sont systématiquement habillées de la même façon, même quand elles sont âgées. Même quand elles sont déjà mariées, on les revoit souvent dans une photo, habillées avec la même robe. Pour nous, souvent, on croit que c'est des jumelles, mais pas du tout. Alors, on parlait de la bicyclette, Michel, j'en ai mis une pour toi. Femme en bicyclette, trouvée dans le monde illustré, aux archives de notre grande bibliothèque. Et regardez, c'est bizarre, parce que la bicyclette, c'est avec des écrans protecteurs. Ça, c'est pas mal quand même, hein. J'avais jamais vu ça. Je cherchais des documents de cette époque-là. J'avais jamais vu. Je pense que ça n'a pas fait long feu non plus. En cas de chute, ça devait être épouvantable. Mais parce que les femmes s'obstinent à vouloir faire de la bicyclette en robe. Oui, et puis, ce n'est pas si terrible. Hein. Moi, je fais de la bicyclette en jupe longue.
et ça marche. Bon, de temps en temps, j'ai un peu de cambouis dessus, mais ça marche, j'aime beaucoup faire ça. Mais il y avait aussi des costumes de bicyclette avec des robes plus ou moins coupées et plus ou moins des sortes de petits pantalons en dessous. Mais disons que là, visiblement, à Montréal, les femmes faisaient la bicyclette avec des écrans protecteurs. Je vous ai montré une jeune fille avec son petit chapeau, son vêtement d'hiver qui serait prête à faire de la bicyclette ou du patin. À 1899, juste un beau portrait d'une jeune fille modeste parce qu'elle porte un chemisier en cotonnade à poids, toujours ces fameux calicots qu'on trouvait pas trop chers dans les magasins, mais n'empêche qu'il est bien fait, avec les petits remplis faits à la main, il gondole un peu. Bon, mais n'oubliez pas qu'on a les machines à coudre maintenant, donc on peut commencer à faire à la main. Et en 1999, je l'avais mise parce que c'est le premier baiser d'Albertine. Bon, voilà, faire des petits... Alors, regardez comme elle est mignonne. Et ce qui est drôle dans cette photo, c'est qu'elle est vraiment attifée comme une femme, avec son chapeau, son corsage, son ombrelle et la jupe est courte. Donc, ça nous indique assez bien son âge. Vous voyez à quel point elle est raide, hein, aussi sur le bord du fauteuil. Elle ne peut pas se plier. Puis, s'il faut ramasser un crayon, ben, il faut baisser les genoux. Il paraît que c'était mieux pour le dos. Ah, je voulais vous montrer en parallèle un dessin de Massicot qui faisait beaucoup de gravures, genre le Canadien français dans sa chaumière, le Canadien français avec sa ceinture fléchée, mais on oublie que Massicot allait sur le terrain, en ville, à la campagne, et il dessinait les vraies personnes. Et ça fait partie de ces carnets de dessins qui sont fabuleux de Massicot. Ici, 1920, une jeune femme en canotier. Et ce qu'il nous montre, c'est le cou de la jeune femme. Pas oublier que l'érotisme se situe aussi, depuis assez longtemps, dans le cou, sous les cheveux relevés. Et c'est vraiment, tous les dessins de jeunes filles de Massicot nous montrent les femmes avec leur cou visible. Deux jeunes femmes en 1901 avec la petite bourse, c'est tout nouveau, la bourse à la ceinture, peut-être un petit signe d'indépendance. On peut commencer à s'émanciper un petit peu, leur petit canotier. Canotier qui est un chapeau d'homme à l'origine, un chapeau pour ceux qui faisaient du canot, que des hommes, et qui finalement va être monopolisé par les femmes qui vont prendre ce chapeau quand même pratique, court et assez facile à mettre. Ça, c'est les mêmes femmes, enfin, il y en a une qui est la même, en forêt. J'aimais beaucoup l'image de la forêt et les jeunes femmes en groupe. Et le détail supplémentaire, la cravate. Donc, on prend le détail, le côté chemisier-jupe, beaucoup plus pratique, beaucoup moins cher à assortir. On peut garder la même jupe et avoir trois chemisiers, par exemple. Et l'utilisation de la cravate qui leur donne un petit air quand même... Si elles ne sont pas libérées, en tout cas, elles tendent vers, elles cherchent à prendre des petits détails masculins. Et ça, c'est une photo étrange. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être une troupe de théâtre amateur. Ces femmes, elles tiennent chacune un objet. Vous voyez, il y a même un chapeau d'homme. Alors, j'aime beaucoup la présence obscure de l'homme dans cette photo. Peut-être tout un rapport symbolique, il n'y avait rien d'écrit, je sais seulement que la photo vient de Montréal. On voit les mêmes femmes portant les chemisiers de couleur ou blanc très souvent, avec une jupe en lainage. Donc, comme je l'ai dit, ça, c'était une forme de libération des femmes. Mais attention, malgré le côté vaporeux, le corset est encore plus serré qu'auparavant. Tout simplement parce qu'on n'a plus la possibilité d'avoir des hanches plus larges, ben il faut faire la taille plus fine, ce qui évidemment cause beaucoup de problèmes. J'aime beaucoup ces femmes de Saint-Jérôme parce qu'on a l'impression qu'on voit comme les trois étapes de la femme. La très jeune fille qui est assise en haut à droite, qui a encore une tresse, et qui porte une robe un peu enfantine, très vaporeuse, un petit imprimé, une cotonnade, ça c'est sûr. Et les deux sœurs, qui elles sont déjà habillées comme des adultes, mais la femme qui est assise, la jeune devant nous, qui nous regarde, est superbe. Elle nous regarde direct vers nous, tandis que les autres regardent ailleurs. Et la mère, qui elle est un peu, c'est le cas de le dire, vraiment engoncée dans son col hallucinant, qui est un véritable corset de cou pour cette époque-là.
mais bien habillée, une belle jupe en lainage, un corsage en soie, la bourse bien au bon endroit. Si le papa n'est pas là, on m'imagine qu'il a disparu. Ah, ça j'aimais beaucoup ce florilège de jeune fille. Exceptionnellement, j'ai pris une photo de Suisse. Ici, une jeune femme, Emma Schulé, qui a 20 ans, à peu près 22 ans à cette époque-là, et qui est au fond la jeune institutrice de ces autres jeunes filles. Donc ces jeunes filles ont à peine 2-3 ans de moins qu'elle. Et il s'agit de mon arrière-grand-mère, et c'est pour ça que je voulais vous la présenter, mais c'est parce que je suis tombée sur cette photo où on a vraiment plusieurs vues de ces coiffures, de cette jeunesse et de ces femmes qui étudient, parce qu'elles sont éduquées dans cette école. Alors ça, c'est, croyez-le ou non, c'est Emma Schulé qu'on a vue tout à l'heure. Alors, c'est parce qu'elle a étudié pour devenir institutrice, et dans l'espèce de foyer de jeunes filles, elle faisait du théâtre. Donc elles sont en train de faire du théâtre, et c'est pour ça qu'elles rigolent aussi, elles posent vraiment pour la photo. Mais j'ai plusieurs photos avec plein de personnages. Évidemment, il n'y avait pas d'hommes dans cette école d'institutrices, c'était toutes des femmes. Donc pour jouer les rôles d'hommes, elle s'est mise une perruque, vous voyez, ce n'est pas très subtil non plus. Et voilà. Et j'ai d'autres photos, mais bon, je ne voulais pas vous les montrer aujourd'hui. C'est quand même intéressant l'idée de l'institutrice. On parlait des métiers féminins. C'est un métier quand même important. La seule possibilité est souvent pour une femme de faire autre chose. Et l'idée de ce qui est arrivé à Emma, donc c'est mon arrière-grand-mère, c'est qu'elle venait d'une famille très pauvre. Son père était menuisier. Mais il avait cette lubie que tout le monde lui reprochait. Il voulait que tous ses enfants étudient, ses filles comme ses garçons. Ils sont effectivement tous étudiés. Emma a eu la chance de devenir institutrice et on sait que toutes ses amies étaient des femmes de la relativement bonne société. Alors qu'elle, elle venait de la campagne plus creux que creux, là, Saint-Pied-de-Bagotte, là, Suisse. Là. Et ensuite, elle est devenue institutrice dans un village de juste 400 ou 500 personnes, une école de rang, comme on dirait ici, et puis elle est tombée amoureuse du paysan du coin. Donc elle est retombée à nouveau, et ça a été terrible parce qu'elle est morte, la seule à être morte relativement jeune, et le médecin, ils ont fait une autopsie, parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi elle était morte si brusquement à 60 ans, alors que dans ma famille, tout le monde meurt à 95. Et ils ont fait une autopsie, ils ont découvert, le médecin dit, elle est morte d'épuisement. Elle a un corps d'une femme de 80 ans. Tout simplement parce qu'on lui demandait, elle est institutrice, mais elle devait faire tous les travaux de la ferme quand même, plus élever ses enfants. Donc c'est intéressant de voir qu'il y avait un prix, ben, on le sait là, c'est pas un mystère, qu'il y avait un prix à payer pour devenir institutrice. Et je vous jure que physiquement, elle va changer, puis ça ne sera pas très joli. Les femmes de 1904, il faut que j'avance quand même un petit peu. 1904, qu'est-ce que j'avais mis? Oui. Oui, d'accord. J'ai dépassé. Hein. Oui, ok, ça va. Bon, alors je vais avancer rapidement. Maintenant, je n'ai plus besoin de vous raconter. Vous voyez l'évolution de la mode. Les coiffures, elles se mettent à monter. Tiens, oui. Les coiffures, maintenant, c'est la tête qui va prendre la mode. Mais j'aimais bien les cheveux sur l'épaule de la très jeune femme et l'autre un peu plus engoncée avec sa coiffure pompadour, comme on les appelait à l'époque. Eh bien, ça, c'est des photos plus rares, mais magnifiques, où on voit des femmes de Québec dans l'herbe, en train de sourire. Ça nous fait du bien. On se dit, ben, malgré tout, tous ces vêtements, elles pouvaient quand même s'amuser, pique-niquer. Et c'est vrai, c'était des femmes qui n'étaient pas plus moroses que nous, hein, pas du tout, même au contraire. Une jeune femme avec un très beau chemisier, jupe courte, qu'on aperçoit ici, mais qui garde la pose un peu à l'ancienne. Maillot de bain de l'époque, toujours en laine. On est en 1904, hein, toujours en laine. Et j'ai trouvé des photos, mais comme par hasard, elles n'ont pas mis leur maillot. Alors, c'est des femmes montréalaises qui sont sur une plage, mais je ne sais pas où elles sont. Elles ont l'air d'être de la bonne société. Regardez, elles sont souriantes quand même, avec leur chapeau et leur demi-oiseau mort sur la tête. Ouais. Et leur cravate. Elles sont vraiment... bon. Alors, au bord de la mer, on s'habillait comme ça. Mais c'est assez joyeux. On voit que nous parlons de la haute société.
de cette famille. Regardez, pour attacher le chapeau, pour pas qu'il s'envole au vent, on n'avait pas le choix. Mais quand même, une relation homme-femme qui semble assez intéressante, enfin qui va devenir intéressante. Un très beau dessin du peintre québécois Paradis, avec les chapeaux. Donc, je vous ai dit que le volume allait se mettre dans les chapeaux. Et voilà, en 1908, les chapeaux deviennent énormes. Et même asymétrique, nous sommes à Montréal, on voit très bien la neige. Alors, le chapeau, plus la fourrure, plus... Et c'est que pour tenir tout ça, pour les chapeaux, il fallait des épingles. Des énormes épingles pour les chapeaux des années 1910, parce qu'on faisait de tout avec ces chapeaux. Et c'est la raison qu'un parlementaire anglais de Grande-Bretagne a évoqué pour interdire le droit de vote aux femmes. Il disait, comment voulez-vous que des femmes avec des... Mais c'est sérieux, des femmes avec des chapeaux aussi énormes, avec des épingles aussi dangereuses, comme ça, aux États-Unis, on a réglementé la longueur. On est passé de 12 pouces à 7 pouces 50, parce que c'est un problème, la longueur c'est dangereux, les femmes se défendaient, bien heureusement, avec leurs épingles à chapeau, parce qu'autrement ça ne tient pas. Et vous voyez qu'on fait du sport avec ces chapeaux-là. On fait du sport et ça a beau gondoler et tout. On met les épingles et on fait du tennis, de la raquette, du baseball, enfin un peu tout là. Ils ont l'air de bien s'amuser. Nous sommes à l'Assomption. Donc une photo de famille quand même assez joyeuse et assez rare. Même si, je sais, ils ne sourient pas. Mais oui, il y en a une qui sourit. La seule qui n'a pas l'air de faire du sport. Ou alors c'est elle qui a gagné, hein, on ne sait pas. Je voulais juste vous mettre un petit couple. Ouais, je pense qu'ils sont mariés. Je pensais qu'ils étaient fiancés, mais j'ai vu sa bague. Donc ils sont mariés, nous sommes en 1909. Donc je vais laisser tomber, mais c'est l'époque des ballets russes, juste pour qu'on s'en souvienne. À la plage avec les énormes chapeaux, assis dans le sable, imaginez. Mais souriante. Et voilà la massicotte qui nous montre une jeune femme en maillot de bain à la plage. Et toujours le même jeune homme. Il traverse les époques, il est toujours en train de lui dire quoi faire, et lui n'est jamais en maillot, comme par hasard. Oui, ce serait épouvantable, évidemment. Donc, la jeune femme en maillot, et voilà ce que ça donne en vrai. Alors, elle a l'air d'une femme de ménage, là, avec son petit turban sur elle, mais bien contente. Et on va dans l'eau avec les bas en laine et les chaussures, hein, les chaussures spéciales pour la plage. J'avance, on s'amuse quand même, on joue au golf. On va sur la plage avec son parasol. Irina Thériault à Laval des Rapides, à la Chine. Et c'est probablement son frère, hein, parce qu'elle lui tient la main avec la jupe si courte. Moi, je ne lui ferais pas confiance. Se faire prendre en photo comme ça, à mon avis, ce sont ses frères. Mais très, très, très joyeux. Un tableau d'une femme peintre d'ici, Mabel May, les régates au bord du Saint-Laurent. J'avance. Oh, elle est un peu trop sérieuse, mais bon, version hiver. Voilà ces deux sœurs qui écrivent une carte postale. Chère cousine, je t'envoie ce portrait en échange du tien. Marie-Louise Beaulieu, je ne sais pas laquelle, mais vous voyez qu'elles sont pareilles. Alors la mode s'élargit pour les coiffures, mais la taille remonte. Oui, elles ont des têtes un petit peu terribles. On fait ce qu'on peut, hein, quand même, pas de leur faute. Alors celles-là, elles sont belles, par exemple. Les deux jeunes filles, Estelle et Jeanne. Et ça, c'est Estelle un an après. Donc, vous voyez la silhouette. Elle a l'air super mignonne, confortable, finie. Mais non, elles ont un énorme corset encore dessous. Donc, elle se tient très, très droite. Ah, ça, c'est comme ça que j'ai réglé la guerre. 14 et 15, deux photos, deux cartes postales nazies, en fait, ou en tout cas allemandes, de la guerre. Oui, oui, c'est pas la même guerre. Oui, oui. Non, non. C'était une façon de parler. Deux femmes courtisées. J'aimais bien la naïveté, le côté fleur bleue de femmes courtisées par les hommes qui vont leur raconter tout et n'importe quoi avec l'armée, évidemment. Mais c'est normal, hein, on fait aussi ce qu'on peut. Et la femme qui travaille, là, j'avance. 1920, une publicité de la compagnie Paquet de Québec. Alors, la jeune femme commence à se libérer un peu. On parle d'enlever le corset, mais pas toujours,
parce qu'on a quand même des caricatures qui nous montrent des femmes en train de se mettre en corset. Mais l'idée, c'est de se débarrasser du corset pour rêver aux fameuses robes des flappeuses, des robes où on n'a plus besoin, enfin, d'avoir de poitrine. Moi, j'aime beaucoup ce tableau de John Lyman qui nous montre une Québécoise sûre d'elle, très moderne. On est quand même en 1919. Regardez le chapeau masculin, la petite, le pouce ici. C'est absolument superbe. Un très, très beau tableau québécois. Je finis avec les maillots de bain dans les années 30. Alors, la version Canadian Pacific, puis la version des Ligues catholiques féminines. À 3,98, c'est pas cher, madame. Alors, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Ben, moi, j'ai trouvé que Jean-Paul Lemieux avait choisi ça. La même date, hein, 27, Jean-Paul Lemieux, il faisait des dessins de ses copines en maillot de bain de l'autre côté, là, pas catholique du tout. Alors voilà, je termine avec ce très beau tableau de jeune fille aux anémones, pour aller avec le thème, un tableau de Pélan que j'aime beaucoup. Alors, excusez-moi d'avoir un petit peu allongé. Merci. C'est un peu rapide, mais... Bon. Oui, mais c'est formidable, ça ouvre sur toutes sortes de perspectives. Je pense que tout le monde a appris beaucoup. Alors, le micro, pardon, oui, il faut pardon, que je prenne. Excuse-moi. Voilà, donc merci beaucoup, Véronique. Juste une petite question avant de passer la parole à Alexandra, qui va faire le commentaire. Question de Virginie, qui nous suit par Twitter, ben, grâce à notre système, là, depuis la Californie. Alors, elle s'interroge à propos des jeunes filles sur la couleur. Les jeunes filles avaient-elles droit à la couleur? Et en particulier, c'est une couleur qui intéresse beaucoup Virginie, elle a travaillé là-dessus. Avait-elle droit au jaune? Bonne question. Oui, c'est une bonne question. Le jaune deviendra à la mode avec l'arrivée de l'électricité. C'est bizarre comme réponse, mais effectivement, il faut que quand l'électricité arrive, les créateurs de mode décident que le jaune, ça fonctionne bien avec l'électricité, ça devient lumineux. Le jaune était très à la mode au XVIIIe siècle, a perdu beaucoup d'importance et en fait, mais il existe. Dès l'époque dont nous parlons, les années 50, 60, 70, c'est l'invention des premières couleurs artificielles à base d'aniline. Donc en 56, on invente la mauveine, donc ce serait plutôt des couleurs comme les mauves, les magentas, c'est tous des noms de bataille d'ailleurs de cette époque-là, qui portent les couleurs, ou l'horrible brun Bismarck. Et oui, c'est ça les noms de couleurs. Et donc le jaune, on en voit dans les gravures de mode. De là à dire, est-ce qu'elle les portait? J'essaye de me souvenir des tableaux. Oh, pas trop le jaune. Il faudrait que je réfléchisse et ce que je lui réponde ultérieurement en faisant ma propre petite recherche. Mais je le vois dans les gravures de mode. Ça ne veut pas dire que les femmes le suivaient. Mais il y a des couleurs très fortes à cette époque-là, justement à cause de l'invention de ces couleurs totalement artificielles. D'ailleurs, ça choquait. Avant, toutes les couleurs étant naturelles, elles avaient un côté un peu passé, qu'on nous on trouve romantique. Et quand les nouvelles couleurs arrivent, elles sont flash, en fait. Et les gens trouvent que c'est horrible. Imaginez une crinoline mauve. C'est mauve, hein? C'est mauve longtemps, comme dit mon chum. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres... Oui. Bon, c'est bien. Merci, Virginie. D'autres questions? Oui. Merci, Madame Morvan, pour ce portrait très, très vaste et oui. Quasi exhaustif du... Oui. Oui. On peut venir... devant le tableau. Alors, oui, merci pour bienvenue. Donc, je disais, ce portrait très vaste sur la mode féminine et qui, en même temps, nous en dit beaucoup sur la réalité des jeunes filles à cette époque. J'aurais une première question, en fait, sur la coupure temporelle que vous avez choisie pour le titre. Là, ça a un peu débordé, mais qui était de 1865 à 1940. Oui, je ne me souvenais plus quel titre j'avais donné. Est-ce que ces dates sont significatives? Oui, elles le sont, parce qu'en fait, j'ai commencé avec la crinoline,
qui était quand même un objet assez monstrueux et assez particulier, qui est difficile à comprendre, qu'il s'agissait d'une libération de la femme. C'est quand même étonnant, tous les textes sont unanimes. Et en même temps, on voit l'évolution, donc ça c'est important. En ce qui me concerne aussi, c'est le début de la photographie, qui était inventée dans les années 40, mais qui devient accessible absolument, quasiment à tout le monde, dès les années 54, 56, 57, avec la carte de visite, et surtout les photographes ambulants. Donc pour moi, c'est une date charnière. Et puis évidemment, nous arrivons aussi dans le Second Empire, si on parle pour l'Europe. Mais bon, ici, c'était plus la photographie et la crinoline. Et puis moi, souvent, je m'arrête en 14, donc je m'arrête au 19e siècle, au fond, puisque la Première Guerre mondiale, 14-18, annonce la fin du 19e siècle. Et j'ai continué juste parce que j'avais dans l'idée, j'en avais parlé, l'idée de la plage et du maillot de bain. Je trouvais ça intéressant de voir une certaine forme de... On se déshabille, mais comment on fait? Comment on se déshabille? Bon, c'est un petit fil conducteur. Pour rester dans ce thème-là, justement, toujours dans votre titre, vous parlez du passage du boudoir à la plage, passage... J'ai dit ça dans mon titre. Oui, aussi. Passage très contrasté. C'est joli, en tout cas. Lieux, ça marche. Tout à fait. Mais, donc justement, c'est un passage d'un lieu assez intime, le boudoir, à quelque chose de très public, la plage, où en plus, on s'expose. Bon, pas avec les premiers maillots de bain en laine, comme on l'a vu, mais du moins quand avec même, quand les même, derniers. Hein? Comment pouvez-vous parler du rapport au corps et à l'autre qui se modifie forcément avec cette exposition? Il se modifie, mais pas seulement pour les femmes. C'est quand même, c'est toute la société bourgeoise qui commence à vouloir aller au bord de la mer. Balbec, c'est ça aussi dans Proust. Donc c'est le début. Avant, c'était, il y avait personne au bord de la mer. Alors c'est tout récent avec les premiers trains aussi. Bon, il y a de la technologie là derrière tout ça. Les premiers trains peuvent amener Monsieur et Madame tout le monde plus ou moins au bord de la mer en Normandie. Et c'est vrai ici aussi. Avec les petits trains, très rapidement, on peut aller faire la fin de semaine au bord d'un lac, etc. Avant, c'était pas possible. C'était beaucoup trop compliqué. Donc, c'est toute la société. C'est pas seulement les jeunes femmes qui vont sortir en plein air. Et c'est la volonté aussi de faire du sport. Là, on a parlé de l'importance hygiéniste. Tout d'un coup, on pense que prendre l'air, c'est bon, qu'on va guérir beaucoup de maladies de cette façon-là. C'est l'époque aussi où on combat la tuberculose. Donc, on envoie les gens à la montagne. À la montagne, on a des photos, on voit les femmes en énorme jupe en train de grimper avec un piolet dans les Alpes. C'est quand même hallucinant, mais le fond, c'est nouveau. Donc, on dirait que par le sport, l'hygiénisme, on fait aussi de la gymnastique. Les écoles, certaines écoles, c'est tout nouveau. Avant, on n'aurait jamais pensé. Et ça ne veut pas dire qu'on est propre, par contre. On parle d'hygiénisme et la propreté, c'est très relatif. Hein. Tout ce qui devait être propre, c'était ce qui se voyait. Le visage, les mains, et par contre, les petits collets blancs qu'on voit partout, les jabots, les manchettes blanches, elles devaient être impeccables. Donc, c'était signe de la propreté morale, d'abord. C'était tout ce qui était blanc. Mais le reste, c'était un peu moins important. Mais les femmes, de par leur intimité, devaient avoir une propreté quand même un tout petit peu plus grande que celle des hommes. Mais ça ne se faisait pas dans des baignoires. On avait aussi beaucoup parlé en classe de la bicyclette et des changements que ça a apporté aux vêtements, avec la jupe divisée, puis oui. Éventuellement avec le pantalon. Est-ce que, vous avez parlé de la coutume de commencer à faire du sport. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres événements clés comme ça qui ont modifié ou qui ont pu justifier peut-être ou expliquer l'apparition, par exemple, d'éléments masculins comme le canotier? Oui, mais disons, donc, on a parlé à la campagne, donc le canotier devient intéressant. Quand je parlais du chemisier assorti à la robe, ça a l'air de rien, mais c'est très important comme libération, parce que c'est les femmes au travail aussi dans les usines portaient chemisier et jupe. Et dans les usines, on les voit, les femmes, avec leurs énormes manches gonflées, dans des usines d'imprimerie et des chemisiers blancs. On est dans une usine d'imprimerie. C'est quoi l'idée de s'habiller avec des chemisiers blancs? Mais non, la mode, c'était la mode. On la suivait. Et on a des photos qui le prouvent. Autrement, par la suite, les femmes qui travaillent vont commencer, dans les années 20, à se couper les cheveux.
puisqu'en travaillant dans les usines, il y avait des problèmes avec les cheveux longs qui pouvaient se faire prendre dans les machines. Ça, c'est assez connu aussi comme événement. Donc, il y a tout le travail d'industrialisation qui va amener des changements. L'écourtement des robes, la disparition des traînes aussi. Les traînes qui ont quand même, en 1902, 3, 4, 5, on continue à avoir une traîne même toute la journée. Tandis que tout d'un coup, on voit en 1912, c'est fini la traîne et la robe est un peu au-dessus. Donc on peut commencer à marcher. On a des bons souliers de marche, enfin à marcher plus. Parce qu'il y a toujours eu des femmes. Il ne faut jamais généraliser, comme on disait, il faut toujours faire attention. On est obligé un peu de généraliser. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait. Puis particulièrement pour les cheveux courts, je trouve ça très intéressant de voir un peu comment cette mode-là de la garçonne a pu arriver. Ah oui, ça vient comme ça, parce qu'il fallait bien remplacer les hommes pendant la guerre, ça c'est bien connu. Les femmes trouvent une partie de leur libération dans les usines, sauf que quand les hommes rentrent, ben, ils les renvoient à la maison. Ça c'est moins drôle, mais enfin, elles vont quand même avoir goûté à une certaine indépendance. Elles vont vouloir reprendre. C'est tout pour moi, je peux laisser la parole. Merci. Vous avez dit à quelques reprises que la mode au Québec était en simultané, si vous voulez, avec la mode européenne. J'étais un peu étonnée. J'aurais cru qu'il y aurait eu un décalage quelque part de quelques années. C'est évidemment le sujet de... Et puis, est-ce à dire que la mode voyageait plus rapidement, plus facilement, de façon plus étendue dans les classes sociales que les idées, les livres, les... Comment on explique cette simultanéité? C'est une excellente question, c'est ce que j'essaye de prouver dans mon doctorat. Et en fait, là, on parle des années, des années 60, disons, 1860 jusqu'à 1914. La mode voyage très rapidement. Elle vient même plus rapidement à Montréal qu'à New York. C'est intéressant de savoir qu'il y a des gravures de mode qui arrivent à Montréal, qu'on voit dans les catalogues montréalais juste avant qu'elles arrivent à New York. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de passer par les catalogues new-yorkais, Harper's Bazaar, Delineator et tous ces Goddess Ladies Book, tous ces catalogues qu'on avait ici à Montréal. Et au fond, on a calculé que ça prenait 2 semaines pour que les gravures arrivent. Ce n'est pas compliqué, ça prend le bateau et ensuite on a le train. Et il y a la poste aussi qui s'enclenche assez rapidement, plus les catalogues. Alors dès qu'on arrive dans les années, à la fin des années 70, 80, même les magasins, les grands magasins sont des grands diffuseurs, non seulement de mode, mais de façon de penser. Parce que dans leur catalogue, ils vont dire aux femmes comment penser, comment s'habiller. Et puis la publicité, c'est au début de la publicité dans les catalogues. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus. Donc, j'ai beaucoup lu les catalogues de Eaton, par exemple. Ça, c'est un peu plus tard. Mais c'est assez intéressant. L'achat par correspondance, qu'on puisse acheter une crinoline par correspondance, ça, c'est étonnant. Mais ça se faisait. Et c'était livré par la poste. Et la poste, ça avait l'air de bien fonctionner. Ils ont même... Il faudrait que je retrouve l'adage, je ne la connais pas par cœur, la possibilité de payer COD, là, comment on appelait ça, de payer, une fois qu'on avait reçu, on pouvait payer. Donc la poste a changé son système uniquement pour permettre aux hommes et aux femmes de payer des marchandises qui venaient des grands magasins. Et jusque dans le village le plus reculé, quand même assez loin. Donc, j'ai lu très souvent des livres d'histoire d'ici où il y avait des photographies, on montrait une femme un peu dans son jardin, on disait évidemment elle est habillée comme au siècle dernier. Et moi je sautais au plafond parce que c'était évident qu'elle était habillée en 1920, même si c'était modeste, je le voyais très bien avec la taille basse et je m'insurgeais tout le temps contre ces historiens qui ne prenaient pas la peine de regarder comment elle était vraiment habillée et coiffée et tout. Rien de plus facile à suivre qu'une coiffure. Il suffit d'avoir l'image. Et les couturières aussi, qui étaient des couturières ambulantes, qui allaient de village en village et qui passaient 2-3 semaines dans une famille et qui ensuite changeaient de famille et de village. Ces couturières ambulantes qui avaient un savoir-faire important. Nicole Pellegrin, qui est une historienne qu'on appelle la nouvelle histoire de la culture culturelle, a beaucoup parlé de ces femmes, de ces lavandières, de ces couturières, de ces cuisinières, ces métiers féminins qui ont permis de transmettre. Et c'est la couturière qui transmettait la ville, d'une certaine façon. Donc la ville n'était pas loin. Et dès qu'on voulait aussi acheter, on allait directement
chez Eaton, dans le grand magasin, quand il s'est installé à Montréal, il y avait une salle de repos destinée aux gens de la campagne qui pouvaient se reposer quand ils avaient magasiné ou avant de magasiner, faire pipi, je ne sais pas quoi, avant de repartir à la campagne. Donc on y pensait, c'était des clients vraiment importants. Donc il peut y avoir, suivant les classes sociales, mais dans la bourgeoisie, pas du tout. Ça, c'est sûr et certain, je le vois. Et c'est pour ça qu'avec mes photos, j'ai aussi des photos qui sont datées, je peux le voir. Elles sont datées à un an près, assez facilement, comme partout ailleurs d'ailleurs. C'est vrai en Suisse, c'est vrai en Belgique. Oui, vous aviez une question? Oui, je me demandais parce que j'avais vu une expo au musée Galliera sur le Second Empire, puis il y avait ces pantins avec des accessoires pour apprendre aux petites filles, aux jeunes filles à manipuler tous les accessoires, la crinoline, faire asseoir le personnage sur une chaise, dans une causeuse. Je me demandais s'il y avait ça ici aussi, si vous aviez vu dans les publicités ou même si ça demeurait. Je ne l'ai pas vu ici, mais il est probable qu'il y avait la même chose. Ça date d'avant le 19e siècle d'ailleurs. Au XVIIIe siècle, la seule façon de faire circuler la mode, ou à l'époque il n'y avait pas de gravure de mode au XVIIIe siècle, c'était la fameuse poupée française, on l'appelait. C'était une poupée un peu plus grande et qui portait le costume, et on en envoyait en Russie, en Italie, on les mettait dans les vitrines, et toutes les couturiers et les couturières venaient copier cette fameuse poupée. Donc ça, on est sûr que ça avait existé ici, une façon. Et dès que les gravures de mode arrivent, c'est quand même plus facile. C'est sûr que les filles, on leur donnait les poupées très tôt pour leur apprendre à les habiller. C'est quand même assez compliqué. Hein. Mais je pense que juste de voir sa maman, ses sœurs faire tout le tralala, ça, c'était suffisant sans avoir besoin d'une poupée pour ça. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y avait des poupées madame et des poupées jeunes filles. Bien, mais je vous propose de continuer la conversation. Oui, oui. Autour du buffet. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous avons donc un espace réservé dans l'angle à côté du comptoir Van Hout au deuxième étage. Donc, vous descendez d'un étage et là, vous êtes toutes invitées à sustenter et à reprendre des forces pour la séance de l'après-midi. Alors, nous serons rejoints dans l'après-midi, en principe, si son autobus arrive, par Martin Reed, qui devrait être avec nous vers 2h30, 3h moins le quart, quelque chose comme ça. Donc nous reprenons à 2h30, nous avons trois communications cet après-midi. Bon appétit.